Le salon Eluceo accueille des élus de CSE, donc anciennement les comités d'entreprise, et des responsables de groupe, donc des gens qui ont un spectre très large, qui sont des salariés d'entreprise qui ont une mission du domaine économique jusqu'aux activités sociales et culturelles, et mettre les gens dans un contexte de rencontre qui soit extrêmement qualitatif, qui permette d'avoir des vrais échanges, comme dans un bureau, et le confort des loges permet notamment cet aspect-là. Et quoi de mieux que le stade Pierre-Mauroy, qui fait partie des stades modernes, avec une conjonction de salons et de loges qui permettent de donner naissance à un salon avec une qualité très importante. Dès la première édition, ça a été extrêmement simple de travailler avec les équipes du stade ici à Lille, parce qu'on a face à nous des gens qui ont une expertise de l'accueil d'événements, de séminaires, de concerts, etc. Donc on est multidimensionnel, et donc ils sont rompus à l'exercice d'accueillir des choses qui sont très, très diverses et variées. Le format stade, au-delà de la quête qui a été la nôtre, de vraiment proposer une expérience de visite, avec les visites par exemple du stade, du contenu intellectuel avec des conférences, de la rencontre avec les exposants, et d'amener un contexte qualitatif de rencontre, est extraordinaire, puisqu'en fait nous on organise un événement et que ça permet, la configuration des stades permet aux exposants qui y participent d'eux-mêmes organiser un événement dans l'événement, c'est-à-dire d'utiliser une loge à des fins particulières, d'utiliser un salon à des fins particulières, d'avoir un plan d'action avec des invitations ciblées sur des prospects, sur des clients, etc., de segmenter sa participation pour la rendre beaucoup plus positive que sur un salon classique où en fait les flux se mélangent. Là, on peut vraiment venir au service d'un plan d'action écrit, trouver la solution.